Yo tout le monde, c'est GobleDor et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais faire une news extrêmement détaillée sur la nouvelle saison Beyblade Burst Gachi. Donc comme vous pouvez le voir sur cette photo, le personnage principal qui s'appelle Dream DRM ou je sais pas comment ça va se prononcer, et sa toupie en fond, l'esprit du moins, qui s'appellera Ace Dracoon, qui soit va sortir dans ce set avec Slash Valkyrie, donc le B136, ou alors en pack starter avec Slash Valkyrie ou Bushin Ashura, dont je vous montre une photo plus tard. Donc il y a aussi ce random booster B130 volume, je ne sais pas combien. Donc il y a aussi ce qui m'a vraiment étonné, cette Storm Pegasus. Donc je ne sais pas par quel miracle ils ont réussi à mettre un système de burst sur cette toupie. Donc je pense qu'elle sera vraiment trop lourde pour qu'on la mette dans l'animé. Si c'est vraiment ça, alors Jinga sera de retour. Et bon, Valt, il est toujours là, quoi. Donc il y a aussi cette date qui est le 15 mars 2019. Quand j'avais regardé, il y a ce trailer qui est sorti. Comme vous le voyez, il s'agit du trailer de Beyblade Burst Gachi qui est sorti hier sous Takaratomy et en AMV par notre youtubeur. Donc voici une photo de Ace Dracoon que j'ai capturée sur internet. Donc voici à quoi elle ressemble en vrai. Donc elle a été unboxée par Léo Burst ainsi que Bushin Ashura, dont je vous parlais tout à l'heure, avec son nouveau système de burst. Et Slash Valkyrie, pareil, Léo Burst qui a unboxé cette toupie, qui a eu la chance. Donc je ne sais pas comment il fait pour les avoir. Donc désormais, les layers des différentes Beyblade Burst GT contiennent trois parties, la partie extérieure, le truc métallique et la partie intérieure. Donc, concernant les personnages, comme vous pouvez le voir, dans la MV, il y a Dream, le personnage principal, Valt, Aiga, et d'autres personnages dont je ne connais pas le nom. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous détailler un maximum d'infos sur cette news. Donc elle arrivera en avril-mars, par là je crois. Et il y a déjà eu les boîtes qui ont été présentées par Takaratomy sur leur chaîne. Je vous invite à les voir. Donc ce sera tout pour cette news. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un max de vues s'il vous plaît. Ciao tout le monde, peace!